Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour Starfield. J'avais dit que je referais une vidéo. Cette fois je vais retirer mon attelle parce que j'ai extrêmement chaud et que j'en ai plus besoin toute la journée, on va dire. Là j'étais en cours d'une mission. Enfin j'avais une mission en cours, pardon, c'est mieux dans le bon sens. Bah écoutez, on va la continuer. Et puis on s'arrêtera là, je pense, pour les vidéos Starfield. J'ai pas envie de trop vous en montrer parce que déjà là, je savais pas trop quoi vous. Je savais pas trop quoi vous montrer pour pas vous spoil la quête principale, etc. Même si il y a énormément de choses à voir dans le jeu. Mais non, non, on va pas aller plus loin. Alors là, je sais pas pourquoi les mecs ils montent sur le truc. Ça, je crois que je les ai pris déjà. Bon, vous avez vu que j'ai un peu fusillé dans tous les sens. Par là, faut aller. Bon, alors. Allez, d'accord. Ah, je croyais que je pourrais pas l'ouvrir. Normalement, j'ai déjà fouillé les mecs, quoi. J'ai pris ce qui m'intéressait, on va dire. Hop, alors j'ai pris l'habitude de jouer avec cette caméra. Je sais pas où est ma copine en plus. Pour une raison que j'ignore, elle me suit plus. Elle est au vaisseau. Là, je suis extrêmement mauvais. J'ai plus vraiment de kit de soins. Les munitions là, ça devient compliqué en dehors de ce fusil à pompe. Attendez, j'ai ça. Ah putain, j'ai vu un mec comme ça là. Il met que des headshots à un moment donné. Et moi ça me fait chier ce. Alors je vous dirai pas comment j'ai eu cette combinaison, ni mon vaisseau si on le voit, parce que c'est plus le vaisseau de départ et c'est pas un vaisseau que j'ai acheté. Je vous dirai pas comment j'ai eu ça parce que c'est dans une quête et j'ai pas envie de vous spoil la quête en question, ni ce pouvoir d'ailleurs. Enfin voilà, il y a des choses, je vais pas vous dire comment c'est arrivé. Voilà, je vous dirai pas. Je suis désolé, j'étais concentré. Merde, j'ai plus de munitions encore là. Ce qui est chiant, celui-là, c'est que tu tires que deux par deux, quoi. Puis ça reste un fusil à pompe, alors de loin, c'est pas très. Trop de dégâts. Hein. Il y a une mouche qui m'emmerde. Hein? J'ai une mouche qui arrête pas de me foncer dans le visage. On va y arriver, on va y arriver. Ben, j'attends les gars, vous dites adieu, ben venez. C'est lui là, faut le niquer bien vite. Voilà. Jamy, c'est terminé. Je dirais 18 heures de jeu, je crois. Et c'est plutôt sympa. Après, il y a quand même parfois des missions un peu. Genre la première mission, j'avais déjà tourné une autre vidéo, au final je l'ai pas mise parce que la mission j'ai passé mon temps à faire des allers-retours
entre deux points et après à farmer des ressources en fait, donc c'était pas super intéressant à vous montrer au final, je trouvais. Donc j'ai pas, même si ça fait aussi partie du jeu, mais voilà, j'ai pas. Voilà, truc de ouf. Ah, puis ce putain de fusil qu'il faut recharger toutes les deux secondes là. J'ai pas autre chose, franchement. J'ai ça, mais ça, ça va pas faire énormément de dégâts. Bon. Ça aura pas servi à grand chose, mais bon. Il y a des fois, c'est compliqué, je trouve. Ah ouais, il est en train de m'expliquer que je suis trop lourd. En fait, là, j'ai trop de trucs sur moi. Pas des grenades. Alors regardez. Obligé de lancer. Ah si. Boum. Et hop, un niveau. Ça, c'est bien. On va se barrer par ici. Ils veulent pas venir, on va aller les chercher. Aligneur, je les prends parce que... Compte pas crever aujourd'hui. Il est où l'autre? Putain, où est-ce qu'il s'est barré? Là, j'ai trop d'équipement sur moi, en fait. Vous voyez, 246 pour 235. Je suis trop lourd. Du coup, je perds de l'oxygène constamment. Mais déjà, ça, je vais le jeter. Il faut que je regarde des fois dans les armes. Parfois, vous avez des armes en double. Hein. Genre, celui-là, je l'ai en double. Et en plus, celui-là, de toute façon, je m'en sers pas. Là, j'en ai deux. Ah, j'en ai... Là, il y a trois. Ça sert à rien. Ok. Déjà, voilà, on va s'alléger un petit peu comme ça. Parce que sinon, votre barre, elle descend tout le temps. Putain, mais où est-ce qu'il est, ce con? Ton but, c'est pas de me buter, normalement? Parce que je vous avoue que moi... Je suis pas très serein à l'idée de... De bricoler avec ça dans mon dos.
Allez. On va continuer notre chemin, mais je préférais nettoyer la zone. Ces scientifiques sont des gens bien. Il y a quelqu'un qui élimine chaque perte est terrible. Ils sont tous partis. Grâce à mon messie, sont tous morts, absolument tous succombés. C'est du travail de pro. Votre unité compte combien d'hommes? Vous avez aussi des tireurs d'élite, non? Quoi? Merde alors. C'est... Waouh. Et ouais. On doit aider le capitaine Myong. Elle se trouve derrière la barrière. Attendez, je prends un truc vite fait. J'ai oublié. Et nos scientifiques sont la priorité. Je bois un petit coup. Elle est venue nous sauver, sergent. Je la laisserai pas tomber. Ça m'est égal. Ces hommes ont risqué leur vie. Ils sont morts pour nous. Mais, lieutenant, c'est Lucé, on ne peut pas... Sergent, je vous ordonne de nous aider à sauver ces Marines. Mais comment? On a une clé de déblocage manuel. Si les Marines sont toujours vivants, ils seront prêts de l'autre entrée. Après, il a raison, hein. C'est des gens qui sont venus sacrifier leur vie pour eux. Pour leur cause. Des soldats ont besoin de notre aide. Vous voudriez nous aider? On aurait besoin de vous. On y va. Alors allons-y. Voilà la clé de sécurité. Passez devant. Le capitaine est un étage plus bas. J'arrive pas à y croire. Est-ce qu'il y a des choses à prendre par chez vous? Parce que par exemple, les kits de soins, j'en ai plus. J'avais trouvé une planète, il y avait une infirmière et tout. Je pouvais en acheter quand il m'en manquait. Mais vous dire où est-ce qu'elle est, cette planète? Dans quel système? Où? Quand? Comment? Je m'en souviens. Je m'en souviens plus vraiment. Attendez, je vais vous aider un petit peu. Hop, on va éviter de trop foncer dans le tas quand même. Hein. Putain, par contre, des fois, quand on est à couvert... On tire dans le décor. Alors qu'on vise pas le décor, c'est un peu relou. Allez, boum. Je vais reprendre ça, ouais. Hop, on va reprendre le fusil à pompe. C'est là où j'ai le plus de munitions. Ah bah oui, toi, vas-y. Allez, les gars, c'est maintenant qu'il faut leur tirer dedans. Hein. Il n'y en a plus qu'un. Tout seul ou quoi maintenant là? Tout le monde est mort avec moi? Hop! On va y mettre des coups dans la gueule. Eh oui, sans moi il serait mort. Je suis le pire cauchemar de beaucoup de gens. Vous avez pas l'air d'un marine. Encore moins de la milice. Vous êtes qui? Les explorateurs? J'ignorais que vous saviez aussi combattre. Capitaine Myong, marine de Lucé. Vétéran des guerres coloniales, le bouclier du col de Parduk, le meilleur marine de l'histoire. Et cette grande gueule, c'est le soldat Tsai. Si elle n'était pas si douée, je l'aurais assigné à la corvée de chiottes à vie. Vous avez sauvé des vies. Je ne l'oublierai pas.
Eh oui. Le capitaine et tous ses Marines, disons que nous serions tous morts sans eux. Vous bossez peut-être pour Liber Astra, mais vous êtes surtout des troufions. J'aurais pas laissé ces connards de Spaciar vous tuer tous. Vous avez de l'énergie, c'est justement ce dont nous avons besoin. On s'est racheté un sursis, à l'ancienne, mais il durera pas longtemps. Ces enfoirés sont désorganisés et indisciplinés. Mais contrairement à nous, ils ont des vaisseaux. Ce qui signifie qu'ils peuvent faire venir des renforts jusqu'à nous submerger. Et alors ces sales lâches nous tomberont dessus. Donnez-moi quelques années et je fais de vous le cauchemar des Spaciards. J'ai un problème bien plus immédiat, capitaine. J'ai des troupes et des civils sur le terrain. Si on n'agit pas, les Spaciards pourraient les tuer. Je les laisserai pas. Quel chef vous seriez si vous le faisiez? Mais nous avons besoin de tous les soldats formés pour fortifier et rétablir les défenses. D'après Mahoney, leur dernière transmission indiquait qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Si vous pouviez conduire votre vaisseau au camp de recherche et éliminer les Spaciards. Allez. J'ai cessé de communiquer il y a peu. Il y a peut-être des survivants. Faites vite, et pas de folie. Bah, pas de folie, tu me demandes de prendre mon vaisseau, d'aller à un endroit et de buter tous les connards, là. Donc, pas de folie. Je vais faire ce que je peux, mais... C'est peut-être le combat dont je suis la plus fière. Le camp doit être protégé. Allez-y vite. Ouais, t'inquiète, boboche. On va y aller gentiment, calmement. Je suis à nouveau dehors et je ne sais plus dans quelle direction est mon vaisseau. Il est là-bas. Et pourquoi frontière? Oh merde! Là, lui. Je vais tuer tout le monde pourtant en arrivant. Ah putain. C'est fou parce que d'habitude on fait ça, on peut toujours se téléporter dessus, mais là... Évidemment, on ne peut pas. J'ai un problème par contre, pourquoi j'ai ce vaisseau-là ? Normalement, j'avais changé de vaisseau. J'ai dû me gourer la dernière fois que je suis allé au truc et j'ai dû sélectionner le mauvais vaisseau. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Normalement, je devrais avoir celui-là. Bon, tant pis. Ma copine. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Vous avez perdu la tête. Mais est-ce que vous avez au moins une... Je comprends pas pourquoi elle m'en veut comme ça. Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire? Parce que là, j'ai encore rien fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Et si c'était trop tard pour ça? Ah non. Ça fait plaisir de savoir que vous comprenez au moins ça. Oui. Je sais. J'essaie de passer outre ce que vous avez fait. Il y a des moments où elle m'en veut pour des trucs, je comprends pas pourquoi en fait. Je ferai de mon mieux pour oublier cet épisode et poursuivre notre aventure commune. Je vous quitte au prochain port. Vous feriez bien de réfléchir à votre parcours jusqu'ici et ce que vous voulez pour l'avenir. Je sais que je dois en faire autant. Il y a des moments où je comprends pas, parce que là j'ai rien fait, à part tirer sur des gens qui m'attaquaient. Et l'autre, elle m'en veut. Je suis à vos côtés.
Merci. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ce vaisseau-là, d'ailleurs. Hein. J'avais pas pris celui-là, normalement. Mais bon. C'est pas très grave. Ça, vous avez vu que j'avais deux vaisseaux. Je vous dirai pas comment j'ai eu l'autre. Allez, viens, ma copine. Mais j'avoue, je... vivant s'est installé est un trésor. Ouais. Si on veut. Avec moi, ma copine. On va essayer de pas passer trop dans le gaz, là. Par contre, je crois que je suis encore trop lourd. Il n'y a pas des choses que je peux... Si, je peux jeter ça et ça, déjà. Dans les ressources, j'ai plein de trucs. Faudrait que je les range. Dans mon vaisseau. Déjà. Ce serait pas mal. Elle a pas froid, elle, comme ça. Est-ce que je peux... Non, je peux pas mettre d'avant-poste ici. Bon, on va tirer sur des gens, copine. Je te préviens. Moi, je leur tire dedans. C'est pas des copains. Donc, faut pas m'en vouloir après. Hein. Y a pas des petites bonbonnes qui explosent, y a pas. Putain, heureusement que j'ai rechargé avant. Je vais me planquer derrière le caillou là. Ah putain. Par contre, quand on est à couvert, j'avoue, c'est chiant parce qu'on tire dans le décor. Là. Une fois sur deux. C'est bien. Après, il y a une évolution aussi avec les personnages qui se baladent avec vous, puisque moi, à un moment donné, avec elle, j'ai eu une proposition de flirt. Et là, j'ai pas une arme très adaptée pour tirer comme ça de loin. Déjà moins. On va galérer un peu hein, parce que là on est vraiment trop mal placé. Ah, on a eu un. Un truc qui explose là, non, dommage. J'ai plus de munitions sur cette arme.
Bon, c'est un peu chaud ce que je fais là, parce que je vais en prendre plein la gueule, mais... Il y a une boîte là. Est-ce que je peux fouiller dans la boîte? J'avoue que les munitions, c'est pas toujours, toujours facile. Ça dépend des armes que vous avez. Là, les 7.7, je les prends parce que je sais que j'ai... Viens, ma copine. Que voulez-vous? Au revoir. Bon, bah, viens pas, ma copine, tant pis. Je me suivrai après. Ces spatiards sont horribles. Horribles. Bah, ils sont morts. Beaucoup trop nombreux. Vous nous avez sauvés. Le caporal Mahoney a prévenu de votre arrivée par radio. Mais j'ignorais si nous tiendrions le coup ou pas. On a subi des pertes. Vous êtes héroïque. Les spatiards ont déposé des gars à eux il y a peu. J'ai réussi à conduire la majorité d'entre nous à l'abri. Chaque fois qu'ils ont approché l'abri, on les a repoussés. Mais le temps ne jouait pas en notre faveur. C'est là que vous avez fait votre apparition. Torres a fait ça ? Il a tellement pas d'expérience. Mais d'accord. Bah, c'est pas parce qu'il a pas d'expérience qu'il veut sacrifier des gens dont il a la responsabilité, hein. Rassurez-vous, je m'occupe de protéger les civils. Remerciez Torres pour moi. Et vous aussi. Ouais, allez. Je me tire. Ah, elle est là, ma copine. Allez, on y va. Allez, ma copine, on y va. Alors. On va aller jusque là-bas. Ça va aller plus vite comme ça, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Faut que je prenne mon vaisseau. Alors, j'irai le changer tout à l'heure. Je ferai ça de mon côté. Besoin de quelque chose? Oui, en effet. Tenez, pour vous. Merci, mademoiselle. Oui. C'est fini. Allez. On se tire. On décolle gentiment. On va aller voir Torres. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Ça, c'est une quête que j'ai fait, c'est une quête annexe, hein, mais en vrai, là, je vous l'ai mise en cours de route. J'en avais déjà fait une partie de mon côté avant, et vous voyez déjà que la vidéo, là, est assez longue. Bah, dites-vous que j'avais déjà commencé cette mission avant de commencer la vidéo, donc c'est une mission qui est assez longue. Parlez au lieutenant Torres. On va atterrir ici. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud, j'en peux plus. En plus, je suis obligé d'allumer et l'ordinateur et la console et la télé. Donc j'ai deux écrans qui tournent, l'ordinateur et la console. Pour faire des captures et tout. Donc il fait chaud, je crois qu'il fait... Il fait plus de 30 degrés là, aujourd'hui. Je crois qu'ils annonçaient 32.
J'ai pas regardé ma température à l'extérieur, mais c'est sûr qu'au soleil, ça doit taper plus fort que ça. Et mais je comprends pas. Pourquoi j'ai pas atterri au bon endroit? Attendez. Il y a des moments, je comprends pas trop. Je crois que j'ai pas atterri au bon endroit et du coup, je suis obligé de redécoller. C'est très bizarre. On va recommencer, on va voir. Alors, j'ai pas réutilisé les mêmes paramètres que pour la première vidéo sur la capture parce que justement, je vous l'avais dit au moment où j'ai fait la capture, j'avais peur de ce que ça allait donner parce que c'était pas mes paramètres habituels. Là, j'ai mis mes paramètres habituels simplement. Attendez. Ouais, faut que j'aille là, d'accord. Ah, fallait atterrir sur celui-là alors. Bon, j'ai mis mes paramètres habituels et je sais ce que ça va donner en termes de compression et tout. Là, au moins, je suis sûr à 100%. Voyons quelle merveille recèle cette planète. Voilà, c'est ça. Je me suis gouré. Mahoney a dit que le camp de recherche est redevenu sûr. Où est-ce qu'on en serait sans vous? Dans la merde, vous seriez. En train de pourrir dans une tombe anonyme. Bravo à vous d'avoir accordé la priorité à cette mission de sauvetage. Notre mission, c'est de protéger les civils et de ne jamais abandonner un soldat. L'honneur n'a pas vraiment sa place dans ce sale boulot. On se raccroche à ce qu'on peut. Exposez-nous votre plan, capitaine. Je pense qu'il convient bien à la situation. Les spatiards n'ont pas encore attaqué, mais il y a des mouvements de troupes derrière la crête. Ils risquent de nous submerger si on leur laisse le temps de se rassembler. Nous devons donc détruire leur vaisseau. Les Marines se reposent quand ils sont morts. Ouais. Je suis d'accord. Enfin, moi, je fais pas partie des Marines, hein. On ne poussera pas sans couper leur renfort. Les Spatiards ont deux groupes de combat. Éliminez-les et ils devront battre en retraite. Alors sautez dans votre super vaisseau et mettez-vous au boulot. Ouais, bah calme-toi quand même. On a perdu tellement de gens. Mais c'est con, ouais, je peux pas changer mon vaisseau d'ici. J'aurais bien aimé récupérer celui-là, moi. Bon, c'est pas grave. Ouais, on y va. Et ma copine, on y va. Puis on va y aller au fusil à pompe, et puis voilà. Bon bah, la vidéo va être longue, en fait. Parce que... il faut continuer, donc on va continuer, c'est pas grave. Je surveille l'heure quand même, parce que moi, j'ai quand même des obligations à un moment. Et après on se retrouvera la semaine prochaine avec The Crew. Alors je l'aurai dès lundi, mais je vous ferai pas une vidéo lundi parce que j'ai déjà fait une vidéo découverte sur la bêta que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc je voyais pas trop l'intérêt de refaire une vidéo découverte sur le jeu final puisque globalement ça va être la même chose. Donc je vais refaire le début du jeu de mon côté. Je pense que tout le lundi après-midi je vais jouer de mon côté et que je vous tournerai cette vidéo. Ah putain. Dès le début, vous me cassez. Ah putain, ils sont trois en plus. Et l'autre vaisseau que j'ai, il est plus efficace. Là, j'ai plus de bouclier et je vais me faire arracher la gueule.
Ouais, ça je le sais déjà, ça. Ah putain, je vais me faire éclater. Bah, si je me fais éclater là, on s'arrêtera là. Mais là, j'ai pas le bon vaisseau, clairement. Mon autre vaisseau, il est plus efficace que ça. Ses armes sont plus efficaces. Je sais pas ce qu'il faut, là, j'arrive pas à réparer. Ils sont beaucoup, en plus. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que la vidéo est quand même longue. Ah bon, on va aller vite. On va essayer, mais bon, là j'y crois pas trop, hein. Franchement. C'est pour ça, ça me saoule de pas avoir le bon vaisseau. Parce que déjà avec le bon, là, vu le nombre qu'ils sont, c'est pas facile. Et là, j'ai aucun moyen de me barrer en plus, hein. Attendez. Si je veux me barrer d'ici, par exemple, voilà, moi c'est là que je voudrais aller. Ah putain. Vous voyez, avec l'autre vaisseau, j'aurais pu y aller direct, là. Pourquoi j'ai une prime sur ma gueule, ici? Ah, donc je vais pas aller... Ben non, je vais pas aller là-bas, j'ai une prime sur la gueule. Je vais me faire attaquer, tout pareil. Ah, c'est un vrai bordel. Allez. Ah putain, bah ouais, mais... J'ai plus d'astromoteur. Je suis mort. Je suis mort. C'est finito. C'est fini. Écoutez, on va s'arrêter là. Je peux rien faire, là. Clairement, je peux rien faire. Et ce qui m'énerve, c'est que là, ça me fait reprendre pile ici à chaque fois. C'est un peu chiant. Et vous pourrez partir. Oh! Tout ça pour des kits de soins. Bon. Allez, j'ai dit qu'on s'arrêtait là-dessus. On va s'arrêter là-dessus parce que là, 45 minutes, ça fait long. Et j'ai un chat sous mes pieds qui est en PLS sur mon tapis parce qu'il fait super chaud. Le temps de chargement là, voilà, j'allais dire il est un petit peu long, ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ma copine? Oui. À la prochaine. J'ai cru qu'elle m'en voulait encore alors que j'ai rien fait. Moi je suis le petit, j'ai rien fait, hein. Faut savoir à chaque fois. Allez, on va se tirer. Je vais aller m'occuper de mon vaisseau. Allez, on s'arrête là-dessus. Sinon, on va jamais s'arrêter. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour The Crew. Salut à toutes et à tous.